que vous sentez ça? C'est l'odeur de quelqu'un qui a tenté de me voler et qui a passé 4 heures dans un four chaud pour être puni. C'est forcément tout ce qui reste de l'homme qui a passé trop de temps avec un requin. Lorsqu'on essaie de jouer au plus fin avec moi, regardez de plus près. Est-ce que vous voulez vraiment finir comme ça? Vous reconnaissez les toutous des Joker? Moi aussi. C'est pour ça qu'ils sont morts et empaillés. Aucune présentation ne me semble nécessaire. Un scientifique cryogénique renommé, rendu complètement fou par son désir d'aider sa pauvre femme mourante, ou un vieil homme que j'ai capturé et coincé sur le grill, hein? Le fameux clown prince du cri. Ce type a besoin d'être abattu comme un chiot malade. Il perturbe mes opérations depuis trop longtemps. Et pour être honnête, je le trouve vraiment pas drôle. Celui-là attend justement que la copine du clown montre son nez. Elle devrait passer un très bon moment avant que je lui coupe la tête. Je vais te découper en petits morceaux, l'Américain. Ce sera un gênant. Hé, je vais te tuer. Comment tu pourrais me battre, moi?
antidote. Où est-il? Oublie le clown. Je veux Cobalt Pot. Il a maintenu toutes mes armes. Je le tuerai pour ce qu'il m'a fait subir. Je m'occupe du pingouin. Toi, tu dois te concentrer sur l'antidote, ou des innocents vont mourir. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas terminer mon travail sans ma tenue. J'en ai besoin. Tout repose sur elle. Vraiment tout. Le pingouin se protège avec ton pistolet à glace. Comment le contrer? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Donne-moi une bonne raison de te le dire. Parce que si je n'arrive pas à le contrer, je ne récupérerai pas ta tenue. Réfléchis, Victor. Tu as mauvaise mine. Si tu disparais, qu'arrivera-t-il à Nora? Laisse ma femme en dehors de ça, Batman! Ne va surtout pas te faire de film. Nous ne sommes pas des amis. Non! Désolé, mais tu as choisi le mauvais jour pour m'agacer, Victor. Arrête! J'ai caché une puce de sécurité dans ma tenue pour éviter qu'on retourne mes armes contre moi. Et ça a bien marché pour toi? Pourquoi tu ne cherches pas, tout seul, comment pirater cette sécurité et comment arrêter notre ami le pingouin? Je te remercie, Victor. Continue à travailler sur l'antidote. Je te rapporte ta tenue. On dirait que la glace commence à fondre. Salut, Batman. Tu m'entends? Évidemment. J'ai pensé que t'aimerais un peu de distraction pendant que tu patines. Dis-lui ton nom, petit. Ah ouais? Va te faire voir. Ah, on dirait que ce porc a encore de l'énergie. Bien. Écoutons le Queenie. Ce que tu entends, c'est le bruit d'un policier infiltré dont les doigts sont en train de geler en dessous de 0 degré. Tiens. Je me demande ce qui se passerait si je prenais ce marteau. Waouh, mais quelle surprise! Toute sa fiche humaine a explosé. Donc voilà la célèbre tenue de Freeze. Malheureusement. Oh, qu'est-ce que vous faites? Quand je partirai, attendez 10 minutes, puis apportez ça à Freeze. Il sera inoffensif. Pas de problème, Batman. Thank you.
Je te tiens cette fois, Batman. Aidez-moi! Tu ne gagneras pas. Le piratage de la tenue de frise ne marchera pas d'ici. Celui-là, je te l'accorde gratuite. Allez, essaie un peu. Je devrais activer le système de piratage. Quoi ? Allez, tire, bon sang ! Qu'est-ce qui va pas avec ce foutu machin ? Recule, recule ! Tu es fini, Cobblepot. Non, pardonne-moi. Pitié, ne me fais pas mal. Je ne peux pas te le promettre, non. Moi non plus. J'ai essayé de t'aider, Batman. Je t'ai offert une chance d'arrêter tout ça et de t'en aller. Mais non, non. Il a fallu que tu joues les gros bras. Eh ben, devine quoi. Vu d'ici, tes bras sont minus. Oh, ne fais pas cette tête. J'ai une petite surprise pour toi, en bas. Quand j'ai acheté cet endroit. Il est très pratique. Cette ordure peut encaisser. Incroyable.
chauve-souris contre l'Ouest. Cobblepot. Mais regardez qui est là, Mr. Assez. Prise. Arrête. Bien sûr. Vous allez regretter vos actions, Monsieur Cobblepot. L'antidote, Freeze. Il n'y en a pas. Quoi ? Peut-être devrais-je m'expliquer. Créer un antidote contre la maladie dont souffre le clone a été facile. Malheureusement, ce remède se dégrade trop vite. Il a besoin d'un élément fortifiant, d'une sorte d'enzyme reconstituant. Sans cela, il se désagrège avant de pouvoir aider le patient. J'ai déjà vu ça quelque part. Trouver l'enzyme appropriée n'est pas le seul problème. Il doit pouvoir s'adapter et se lier à l'ADN humain. Cela prendra des années, et le temps est précisément ce qui te manque. Et si je te disais que je connais quelqu'un qui est exposé à cette enzyme depuis des siècles ? Ah oui ? Qui ? Il s'appelle Ra's al Ghul. Tu dois me l'amener. Tout ce qu'il me faut, c'est un échantillon de son sang. C'est ton seul espoir. Ra's al Ghul est mort. Alors toi et ce clone, vous êtes perdus. Pas tout à fait. Il faut que quelqu'un me dise où est son corps. Et je pourrai aller le réveiller. Blasphémateur! Tu n'es pas digne de parler au grand Ra's al Ghul! Tu es un idiot, Batman. Tu as laissé ton dernier espoir filer. Non, Victor. Si Ra's al Ghul est Arkham City, j'ai maintenant une piste jusqu'à lui.